Madame, Monsieur, très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette édition du journal. Le cardinal Laurent Monsengwo Passignat a encore eu droit aux hommages dignes d'un prélat catholique par les officiels congolais et ceux venus de l'étranger. Lors de la messe d'action des grâces dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, en guise de son inhumation, l'officiant du jour a imploré la grâce divine sur ses pères religieux pour un repos éternel auprès du Saint-Père, après avoir rendu de bons et leurs services durant sa mission pastorale au sein de l'Église catholique et dans la société congolaise. À cette cérémonie de dernier hommage, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à ses cultes singuliers aux côtés de son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et de plusieurs autres personnalités politiques congolaises et étrangères venues saluer la mémoire de cet archevêque émérite de Kinshasa, qui sera inhumé dans l'intimité familiale et de son église à l'enceinte de la paroisse Notre-Dame du Congo cet après-midi. Pour vivre les morts, accorde la vie éternelle à notre Père, Laurent Cardinal Monsengwo. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple qui t'implore en faveur de ton serviteur, Laurent Cardinal Monsengwo.